sur ce forum ici à la Rotonde à Saint-François, c'est vraiment l'occasion de réaffirmer l'engagement et la volonté du président et de la majorité du conseil départemental, c'est-à-dire vraiment d'avoir une dynamique de renforcement des dispositifs de l'insertion, de rencontre et d'échange des bénéficiaires du RSA avec les employeurs, le monde du travail. C'est une initiative du département qui permet l'offre d'emploi rencontre la demande d'emploi. Les personnes se rencontrent, se parlent, se ressentent. Donc c'est l'occasion pour nous, en plus sur un secteur précis, de rencontrer les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Ce que nous mettons à disposition sur toute la Guadeloupe, nous recherchons tout le temps du monde et il était essentiel et capital pour nous d'être présents pour pouvoir rencontrer les personnes qui sont désireuses de travailler sur le territoire. Qu'ils puissent également déposer leur CV, que ce soit directement auprès des employeurs présents aujourd'hui et sur la plateforme Job 971 du conseil départemental qui leur permettra d'être mis en relation directement avec des employeurs sur l'ensemble de la Guadeloupe. C'est une initiative que je salue vraiment puisque c'est très important pour les entreprises. Il faut qu'on puisse former nos compatriotes et ceux qui sont demandeurs d'emploi particulièrement à intégrer le secteur de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration. Ce que fait le département aujourd'hui est très important puisqu'il s'agit de faire un travail en collaboration. Nous devons occuper le terrain dans l'intérêt de nos compatriotes et c'est pour ça que cette initiative, je dis bravo au président Losbar parce qu'elle est nécessaire pour notre territoire, dans l'intérêt de nos entreprises. Donc il faut qu'on continue de ce sens-là, mais ce qui est très important, il faut qu'on continue ensemble. Soit vous n'avez qu'à le voir, le monde qui est là, cela veut dire que nous avons véritablement, nous sommes dans le bon droité et nous tenons le bon droit. Bien souvent, avant d'accéder à l'emploi, il est important de passer par la formation professionnelle qui leur permettra d'être employables et d'avoir de bons profils à présenter aux recruteurs. Nous avons au sein du conseil départemental plusieurs dispositifs d'accompagnement, notamment dans le cadre du DSCA, qui est le dispositif de soutien à l'insertion et à l'activité. Mais nous avons aussi des aides pour la reprise et la création d'activités. Donc aujourd'hui, c'est une magnifique matinée qui est offerte à tous les bénéficiaires, l'occasion d'échanger, de prendre des contacts afin de se projeter dans l'avenir.